quand les personnes ont vu que je me suis mise avec Ahmed, il y en a certaines qui m'ont dénigré en disant que il est plus beau que moi, qu'est-ce qu'il faut avec moi, je l'achète pour qu'il reste avec moi, et nanani, il est là par intérêt pour faire de la télé, ceci, cela. Et c'est tout le temps, tous les jours, les mêmes propos. Ça peut arriver. Il peut y avoir des personnes malsaines, mais il n'y a pas tout le monde qui est malsain sur Terre. Donc moi, j'ai plus le droit de lui faire des cadeaux, de lui faire plaisir, ou lui n'a plus le droit de me faire de cadeaux ou de me faire plaisir parce que vous, vous avez parlé. Mais en fait, je vous emmerde. Si je suis quelqu'un comme ça, si je suis quelqu'un qui donne tout en amour, c'est votre problème. Si ça vous plaît pas, mais me suivez pas. Si ça vous plaît pas, nos deux vies, ne regardez pas ce qu'on fait. Mais vu que l'être humain adore la critique, bah malheureusement, ça s'arrêtera jamais. Même si on vous le dit, hein, vous êtes déterminés, parce que les gens galèrent derrière. Votre vie est tellement merdique que vous vous mettez sur le dos des autres. Mais en fait, au lieu de vous mettre sur le dos des autres, soyez content pour les autres. Et peut-être que Dieu vous ouvrira d'autres portes.